Bonjour à tous, nous allons apprendre à lire aujourd'hui leçon 1. Nous allons commencer par chercher des mots où on entend le son 1. Je t'en propose quelques-uns. Lapin, lutin, sapin, cinq, matin. Dans ces cinq mots, on entend le son 1. Nous allons chercher où se trouve le son 1 dans ces mots. Lapin, deux syllabes. Dans la syllabe pain. Sapin, sapin, deuxième syllabe, la syllabe pain. Matin, matin, tin, deuxième syllabe. Maintenant un petit peu plus difficile, des mots avec trois syllabes. Insecte, insecte, première syllabe. Dernier mot, médecin, médecin, dans la syllabe sain, dernière syllabe. Mais sais-tu comment on écrit le son 1? C'est ce que nous allons voir ensemble. Pour tous les mots que j'ai choisis, le son 1 s'écrit avec deux lettres, le I et le N, qui font ensemble le son 1. Voici 1 en capitale d'imprimerie, en script et en attaché. Tu sauras les reconnaître à partir de maintenant? On s'entraîne un petit peu maintenant à lire. B, un bain. F, un fin. L, un lin. M, un main. P, un pain. Et dans les autres écritures, ça donne quoi? Lin, lin. Tin, tin, sain, sain, pain, pain. Attention, une petite difficulté avec la lettre C qui se prononce K ou S, selon la lettre qui suit. Devant le I, le C se prononce S. Cette syllabe se prononce donc sain, comme dans 5. Nous pouvons maintenant passer à la lecture de mots. Le sapin, le sapin. Des lutins, des lutins. Vous savez déjà que le S du pluriel ne se prononce pas. Un médecin, un médecin. Et un dernier mot en attaché, un lapin, un lapin. Pour finir, je te propose de récapituler. Le sapin, le matin, le lapin. Des lutins, un médecin. Et maintenant, en capitale d'imprimerie. Le sapin, le lapin, le matin. Des lutins, un médecin. Et pour terminer, en attaché, le sapin, le lapin, le matin. Des lutins, un médecin. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Tu peux recevoir gratuitement des jeux de lecture directement dans ta boîte mail. Tu pourras ainsi continuer à t'entraîner. Il suffit de me dire où te les envoyer. Cette vidéo t'a aidé? Mets un pouce bleu, partage-la avec tes amis et tu peux t'abonner pour ne rater aucune publication. Alors, à bientôt, apprenti lecteur!